Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir, ça va quoi? Ça va, Skybo? Comment allez-vous? Bah, Ça moi, va ça et va. vous? Il y a déjà quelqu'un qui a donné 20 euros pour ta victoire. Hein. Moi, je dis ça, Ouais, mais. j'ai vu là. Putain, je vais me jeter dans tes bras, mec. Ok. Ah! 3 euros pour le loubar. On est à 23, donc. Tranquille déjà. C'est bien, les gars. En plus, dites-vous, c'est pour la bonne cause. Et je dis pas que je vais win, hein, mais c'est pour la bonne cause. Alright, I've got to show you guys. I'm in Pro League. Ça va, Valkyr? Ça va toi? Bah écoute, ça va très bien. Cool. Je suis content de vous avoir tous les deux. Ça va être fun. Si vous pouvez Ouais, faire en sorte de ne pas avoir un 6-1 comme au match précédent, ça pourrait être cool, mais ça, après, c'est à vous de décider. Rishka, elle va me mettre 6-0. Putain, Skywoo, non, Ah, en vrai, 6-0. Le round couteau only, c'est chaud. J'ai la chef, à toutes. À toutes. Je t'encule, Skywoo. What? Voilà, le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin de Valkia qui dit voilà, je vais te prendre par derrière. Très bien. On va faire comme si on l'avait pas entendu. Et donc, on est parti sur ce match. Le loupard contre Valkia. Ah, il fait plaisir ce petit mot de la fin. Et on va donc partir billard. Tiens, on a toujours pas vu sur mon stream le sous-sol aujourd'hui. Je crois qu'on boude totalement le garage. Forcément, avec tous les murs qui sont là, on peut pas tous les renforcer, donc ça ouvre un petit peu les lignes directement sur l'extérieur. Il est top, je pense. Bien joué. Le contenu radioactif a été réalisé. Bah. Et c'est marrant parce qu'on voit toujours les mêmes types de bait. Quelqu'un qui vient casser une fenêtre, qui rota de l'autre côté. Et du coup. Oh. Oh. Et on a l'info côté Valkia de la position. Est-ce que ça va rentrer en dessous? Ce serait pas inintéressant. Il a le droit au drone là, hein, Skybo. Il peut faire absolument ce qu'il veut vu qu'il n'y a pas de différence de round entre les deux joueurs. Et il rentre sur site. Il rentre sur site. Il a droit au shotgun. Et il va mettre une balle, mais derrière il met pas tout. Le shotgun au contact. Le shotgun au contact. Et voilà le passe-partout de Fort Boyard qui vient, eh bien, entériner le premier round. C'était solide de la part de Skybo. Donc là, normalement, j'ai pas le droit au drone et aux caméras. Ok. On prend les yeux. Et la Twitch. Pour Valkia. Et le drone, on a la position et on a la position. Oh, oh bien joué. On a failli avoir un entendu petit rentrer. De la part de Skybo qui n'est pas passé. Un partout, on repart sur nos handicaps pour les deux joueurs. On a bien louché là quand même du côté de Valkia. C'était tendu. Et on a un garage. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous avons un garage joué par la joueuse française Valkia. Et c'est parti pour Skybo. Nope. Nope. Non, mais non. Non. Mais non. Et Valkia qui fête ses 100 euros de dons avec un headshot et sa MP5. Et voilà. Et voilà, mon bon Tito. Tu votes Valkia, boum, headshot directement à l'entrée. 2-1. Je suis mort comme un plouc. Ah, je suis mort comme un plouc. Je pensais que j'allais avoir le temps, qu'elle allait mettre plus dedans. En fait. Nous devons protéger le conteneur. Là, sécuriser la salle. Eh ouais, on attend un drone, mais y a pas de drone. Y a pas de drone, mon bon Skybo. Il est pas autorisé pour Pascal Génial. Bien vous le dire. Je savais même pas qu'on pouvait traverser à ce niveau. Voilà. Ma connaissance du jeu sur maison, elle se résume à peu près à ça. C'est parti. Donc, le F2 de la Twitch. On pourra bien sûr utiliser la clé mort si jamais on veut empêcher une sortie. Peut-être on y... Eh ouais, on sait où il se trouve. Et on va y aller directement. On va y aller directement. Face check. Puisque c'est ça, le premier défi. Sky a rien compris. Ah, c'est pas impossible. Ah, c'est l'habitude du jeu, quoi. Oh. Et on sait qu'il est dans l'escalier, on vient pique. Et le duel qui s'annonce, le duel et le headshot, première balle, directement dans la tête. Skybo qui recolle, et on repart sur un no handicap. Respecte-moi quand même un petit peu, hein. En mode, Maroche, Valka, on est où là?
Allez, on a repris le dock, on a repris le garage, on a repris le bloc du côté de Skyboo. Il faut pas se faire sanctionner comme il s'est fait sanctionner tout à l'heure à l'insertion. Il s'était fait découper, littéralement. Côté du loubar, il va aller prendre les infos. Et l'info drone, elle est prise. On sait où il se trouve. Et le loubar qui va s'insérer. Et là, il a 20 secondes. Et il met la pression sur une Valkia qui doit revenir par la porte. Et elle se replace très bien. Et s'il était rentré tout de suite. Le loubar. On a l'info. On a l'info des deux côtés. Côté Skyboo, la grenade qui va être cook. Et on va l'envoyer malheureusement un petit peu trop à gauche. On est en train de rentrer. Le duel qui commence à être pris. Et c'est Valkia qui a pris les premiers dégâts de ce duel. On va se steam pistol. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, et elle est à gauche, elle est à gauche, elle est à gauche, Skyboo, ouvre tes yeux. Hop fort a éliminé tous les alliés. J'ai entendu à droite. Elle est problème de son là. Allez, on est reparti, sixième round, Valkia, pas de drone. Et on a vu la cam là, pour le loubar, on a vu la caméra. Et on est obligé de refaire la rotation au niveau de la cuisine. Et il l'attend, et il va la loucher un petit peu sur le départ. Mais ça passera pour Skyboo, 3 partout, no handicap pour le prochain round. Ça repart sur un dock pour Valkia qui a gagné deux fois au sous-sol, qui va reprendre le sous-sol. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Dock plus le sous-sol, ça a l'air d'être son credo. Allez, garage, on renforce les deux murs à droite. Et cette fois, regardez l'opérateur qui a pris Skyboo. Et oui, il veut pas se faire avoir. Et du coup, on a une Ibana. On pourra pas se cacher derrière cette voiture blanche. Rejoignez l'emplacement du conteneur radioactif et sécurisez-le. On se repositionne. Et le... Yes. Les bons X-Kairos, on est contents. Et l'info, elle est prise. L'info, elle est prise. Et voilà, Skyboo qui récupère la tête de Valkia. Qui était focus sur autre chose, apparemment. 4-3 pour Skyboo. Et Valkia, elle peut droner. De son côté. Et oh, oh le drone. Bonjour. Ah, on joue au jeu du chat et de la souris, hein, clairement. Hopfort n'a pas trouvé le conteneur radioactif et va profiter de l'assaut pour le localiser. On l'a vu côté Valkia, on a entendu aussi la Gumine. Et il veut être agressif, hein, Skyboo là. Clairement. Alors qu'on est en train d'ouvrir en face de Valkia. Je sais pas quel BP il a pris. On va partir au top. On va en créer une première fois avec le E1D pour pouvoir rentrer tout simplement. Dans la salle de bain, on a pris l'information pour Skyboo. Il y a la petite Gumine qui est partie au niveau de cette porte d'entrée. Et attention. Attention, parce qu'on a la rotation. Et là, ça peut être intéressant au niveau de l'escalier. Si on y revient pour le loubar. Et on y revient. Et on n'a pas réussi à mettre deux balles sur Valkia qui est en train de redescendre et de fondre sur son adversaire. Le duel qui va être pris dans quelques secondes. Et Valkia qui s'en sort pas malheureusement et au contact. C'est Skyboo qui a l'avantage. Ça fait 5-3 et c'est donc 2 balles de match. 3 même si on part à 5 partout qui attendent Skyboo. Pas le droit aux gadgets de toutes sortes. Pas de renfo, pas de barbelé, pas de gadgets. Emplacement du conteneur radioactif inconnu. Vous pouvez attaquer. Je suis dans la sauce. Il a pas de drone, il a rien. Y'a un petit drone dans la pièce derrière toi. Il triche, Skyboo, il triche totalement. Et là, normalement, il devrait perdre le round. Hop fort éliminé. Oh, pardon. Oh, Skyboo qui a rien compris. C'est archi dur. Sans rien, comme ça là, sans gadget, pas de flash, pas de... C'est un truc de ouf. C'est trop dur. Il a pas le droit de prendre les cams. Par contre là, effectivement, Valkia a le droit d'aller droner un petit peu. Et hop, bonjour la Gumine qui vient d'être détruite. Ah, on a encore pris Twitch. Valkia qui n'a plus qu'un drone. Et l'agression vers l'extérieur peut-être pour Skyboo. On va faire quand même. De tout le round, je suis à un autre endroit, de toute la game, le seul endroit où je spawn là-bas, il spawn kill. Le spawn kill qui passe donc pour Skyboo, qui gagne son match 6-4. Ça va Skyboo? Ouais putain, je suis désolé mec. T'es bourré?
Et franchement, et la caméra, j'envoie mon drone. Et je me dis, mais attends, il y a un truc qui me démange, genre. J'avais oublié qu'il fallait pas que je lance la cam. De toute façon, t'as perdu le round derrière. Tu l'aurais perdu et il y aurait eu Riost, si jamais. Voilà. Bien joué, Valchka. Valchka, franchement... Bah, je t'ai laissé gagner. Ouais, franchement, c'est bien.